Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Alors déjà, bonjour Kiab, merci beaucoup de m'inviter, je suis content. J'ai révisé un peu l'émission avant de venir, du coup je peux t'affirmer qu'il s'agit de l'échelle qui permet de mesurer la force des piments. Voilà. Qui tient son nom du pharmacologue Wilbur Scoville, tu l'avais dit dans un épisode, parce que j'adore. C'est comme ça qu'on mesure la piquance. Ouais, c'est précisément ce que je viens de dire, t'as donné moins d'infos quoi. On commence tout de suite, première question. La première question, c'est avec la gentille myrtille, donc c'est pas énorme. Alors, tu peux en mettre tranquillement, tu verras, c'est un petit goût de myrtille sympa. Ouais. Première question, t'as fait le choix d'être végétarien? Alors, végé, non. J'essaye d'y tendre parce que je sais que c'est bien pour la... pour la planète, mais je suis plutôt flexi. Mais je sais que c'est une bonne chose et même avec la... Tu t'es souvent retrouvé seul, du coup. Est-ce que ça a été une chance, cette solitude, ou pas? Non, mais là, je peux pas. Guillaume, Guillaume. Mais je vois ça, ouais. Putain. C'est fait, putain. C'est pas que ça pique, c'est coincé. Mais putain. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, mon gars? Moi, je suis bien. Hé, hey, Karl. Qu'est-ce qui se passe, Ken? Hey, mon gars! Wow! Qu'est-ce que tu fous, Kian? Mais il est mort! Il est mort, là! Faites quelque chose, l'équipe! Appelez les secours! Appelez les secours, vite! T'as fait des podcasts, t'as plein de choses, et en ce moment, t'es sur Twitch. Ta gueule, toi! Ah putain, j'aurais dû le faire, le stage, premier secours. J'espère que vous avez passé un super moment en regardant Hot Ones. Nous aussi, on a passé un super moment. Là, je peux plus parler, mais en tout cas, comment t'es, toi? C'est comme ça que ça se termine. Ça pose de problème à personne. T'as vraiment un rapport malsain avec le laitage. Puis le gâchis là, tu te rends compte quand même? Je vais m'occuper de lui tout seul parce que... Oh, le pourquoi d'un homme? Personne vient m'aider hein, par contre hein.